Nous sommes spécialisés dans le petit bricolage. Donc on installe des bras à rideaux, on installe des lustres, on peut aider à monter des meubles en kit, par exemple. Les profils sont très éclectiques, c'est souvent des gens qui ont un parcours totalement différent, mais qui avaient une passion pour le bricolage. Mais il n'y a pas de diplômé bricoleur puisque ça n'existe pas en France. Bah effectivement, on a 80% de nos appels sont des femmes. Après, elles ne sont pas forcément célibataires, elles sont en couple, mais parfois elles en ont marre d'attendre que le lustre traîne depuis 6 mois dans le placard. Ce qui est drôle, ça arrive très souvent effectivement d'arriver et puis d'avoir l'homme dans la maison et qui nous explique justement qu'il n'a pas le bon outil, mais sinon il l'aurait fait sans aucun problème. Ou... 9 fois sur 10, c'est quand on a un client, il se justifie en nous disant il y a toujours une excuse, ah j'ai une perceuse, elle est trop vieille, enfin il y a toujours, donc oui, c'est pas de la jalousie, mais on touche une corde sensible de la virilité. De la virilité, voilà, c'est ce que je cherchais. On désamorce le côté, la provocation, elle est dans le nom et dans l'accroche, mais tout de suite après, nous, on n'en joue pas plus que ça, c'est-à-dire, voilà, on n'est jamais dans la séduction ou autre, on est dans le professionnalisme, donc l'ambiguïté, elle n'a jamais lieu d'être. Non seulement ils ont du mal à avouer qu'ils ne sont pas bricoleurs, mais en plus le confier à une fille, il va y avoir encore un peu de travail quelques années, je crois. Mais le jour où, là, où sera tout, enfin, tout aura avancé, le jour où justement sera, les activités comme le ménage ou le bricolage ne seront plus forcément connotées homme ou femme, là on pourra dire que la société a évolué.